Salut à tous. Aujourd'hui, je suis plus tout seul. J'ai un animal de compagnie qui me suit tous les jours. Je suis amoureux de lui. Et il n'y en a pas qu'un seul. Le retour de l'addiction. Il faut savoir que dans l'endroit où j'habite, il fait extrêmement chaud. Et chaud, ça va pas trop avec un animal de compagnie comme un chien. Tu veux le promener dehors, quand il fait 35, 40 degrés, il tient pas. En plus de ça, où j'habite, il n'y a pas trop d'espace vert. Avoir un chien pour qu'il reste dans ton appartement toute la journée, c'est pas ouf. C'est pour ça que je me suis dit de l'avoir en virtuel. Seul. Ceux qui ont déjà joué à Roblox ont le droit de liker cette vidéo. Comment ils vont mes toutous, ma boy? Aujourd'hui, les amis, on se retrouve sur Pet Simulator. Alors, on avait déjà fait cette première partie-là, où on était passé de l'arène 1 à l'arène 40. On avait débloqué nos premiers œufs, ouvrir nos premiers animaux de compagnie. On a eu notre corgi, on a eu notre premier animal en or, ainsi que l'arc-en-ciel qui est juste là. Comment va mémé? Aujourd'hui, les amis, j'ai envie d'augmenter les œufs. On a déjà débloqué tout ça comme arène, et on est à l'œuf 54, qui est pour l'instant toujours verrouillé. Et voilà, il nous reste 3 lignes entières à débloquer. Notre but aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de continuer les arènes. On était à l'arène 40 exactement. Objectif aujourd'hui, arène 99, parce que c'est Pet Simulator hashtag 99. On a du chemin à faire, les amis. Pour ceux qui connaissent pas Pet Simulator, je vous conseille d'aller regarder la partie 1. Elle vous explique tout un petit peu le concept. Mais ce qui se passe, c'est juste que tes animaux, ils sont sur des bases, comme ça, ils vont récolter de la thune. Et cette thune va te permettre d'acheter des œufs. Hop. On va en acheter 6, par exemple. Hop. Et là, par exemple, j'ai eu un dragon des neiges qui est tout nouveau et qui est extrêmement rare. La différence qu'on a à rapport au premier épisode, c'est que cette fois-ci, je vais utiliser pour la première fois la boutique, ok? J'ai envie qu'on se fasse un petit pack opening. Et en plus de ça, dans la vidéo, j'ai une enveloppe qu'un abonné m'a envoyée dans la vraie vie. J'ai trop hâte de savoir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Je l'ouvrirai dans un moment aléatoire de la vidéo. Allez, vous savez quoi? On va prendre l'ultimate pack qui va nous donner 6 œufs. Où dedans, on a un pourcentage de chance d'avoir un huge. 0,05% d'avoir un huge. Je n'ai pas de huge, hein. Bon, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va augmenter en arène et surtout, je veux un huge. C'est parti, on achète pour 3200. Voilà, hein, je suis un gros pigeon, les amis. Hein. Ça fait plaisir, achat réussi, merci beaucoup. Waouh! Je vais directement dans les petits cadeaux. Ok, bon, déjà, je peux avoir ça, ça fait plaisir. Mon but aujourd'hui, c'est jouer 2h49. Est-ce que c'est bon pour vous? Les œufs sont juste là. Alors, dites-vous, un œuf, ça coûte 8 millions. Hein. Pour vous dire, j'ai 600 000 diamants. Hein. C'est vraiment la chose la plus rare du jeu, les diamants, d'accord? On va voir si j'ai de la chance, les amis. Je vais en ouvrir 3 d'un seul coup. Ah ouais, non, ils pop comme ça. Ah oui, d'accord, tant que moi, je leur donne de la chance. Non, je peux pas donner de la chance à tous les œufs. Oh shit, j'aurais pas dû faire ça. J'ai eu des pets en gelée, je les trouve trop stylés, les gars. Donc très certainement, vous avez vu, là, ils prennent directement de la place. Parce que comment fonctionne un petit peu ton équipe? Moi, pour l'instant, donc, dans tous mes pets, j'ai ma tige pour en avoir 39, ok? Et les pets, comment ça fonctionne? C'est que les meilleurs qui vont dans ton équipe. Tu vois, là, mes noobs, ils sont en bas, ok? Mes meilleurs, ils sont bien entendu en haut. Donc mon plus puissant, il a 8444 de dégâts. Ensuite, quand il est pour l'interrogation, ça veut dire, en fait, ils reprennent directement la puissance de ton pet le plus fort. Voilà un petit peu comment ça se passe. Punaise, non, mais attends, les gars, j'ai pas eu. Il me reste 3 œufs à ouvrir. C'est quoi, je vais l'ouvrir un par un. Parce que comme ça, en fait, un œuf, tu peux te cliquer dessus de ouf comme ça pour avoir un maximum de chance, frérot. Oh, il grossit! Oh! 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 Oh, j'ai une dinguerie! Oh! J'ai mon huge! Attends, c'était quoi la probabilité? Oh, c'était 1,25%! C'était 1%, je l'ai eu! Oh, la techa, frère! Quand tu sais pour maximum de stats partout! Mais gars, donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va toujours être plus puissant que tous mes œufs. Oh, je suis choqué. C'est quoi? On va garder les deux œufs. On va les ouvrir un petit peu plus tard. Et on va se téléporter directement, du coup, à notre arène niveau 40. What the fuck, mais j'ai eu un huge. Voilà, allez les amis, allez, travaillez les pets, hein. Travaillez, travaillez, travaillez. Ah, alors attendez, moi je suis VIP, il faut peut-être que je me remette un petit peu des potions, parce que les potions, voilà, ça te permet d'avoir plus de dégâts, etc, etc. Ça, par exemple, si je mets cette potion, ça augmente mes pièces, je gagne de 120%, ce qui est énorme, pendant une durée de 1 heure. Ah, c'est gigantesque, ok. Allez, mettez des dégâts, les gars, mettez des dégâts, parce que la prochaine arène, elle coûte 350 000. Bon, je suis déjà à 392 000. En vrai, on va l'acheter dès maintenant. Là, hop, là, je suis revenu à zéro, je suis pauvre. Les gars. Donc là, j'amène mes pets directement donc dans l'arène 41 qui est juste ici. On est dans la thème glace, ok. Et ensuite, après, je vais mettre directement, voilà, auto-tap, auto-tap, hop, auto-ferme aussi. Donc là, tu vois, voilà, mes animaux, ils sont en train de farmer de leur côté. Nous, on peut chillax à max. J'ai un cadeau de prêt. Ça, c'est des cadeaux en fait que tu débloques en fonction de combien d'heures t'es connecté au jeu. Donc là, par exemple, si je suis connecté pendant plus d'une heure, j'ai jusqu'à ici le cadeau, d'accord. Tout ça, jusqu'à là. Si je suis connecté pendant 2h44, j'aurai le dernier. Et j'ai jamais eu le dernier, les gars, ok. Bon, le huge mec, comme il est énorme, vous avez vu ça là?
taille, frère. Ouais, mais petit, ils ont l'air rikiki, frère, à côté, c'est une dinguerie. On va les laisser travailler et je crois que j'ai quelque chose de très important à faire, les gars. Il faut que j'aille en arène 4 pour que j'ai plus de pets en même temps parce que je suis bloqué à 39 sur 39. Ah, il faut que je passe rang 5 obligatoire. Je suis rang 4 en fait. Comment je passe rang 5, les gars? Faut que je termine le mini-jeu Atlantis. Faut que je termine un mini-jeu, frérot. Et ce mini-jeu s'appelle Atlantis. Ah, c'est là. Terminer le mini-jeu Atlantis. Ah non, moi, c'est le mini-jeu Atlantide, pas Atlantis. Ça, c'est fishing. Attraper fois 15 poissons dans le mini-jeu de pêche. On va devoir les pêcher, en fait, on est obligé. Il faut que je pêche 15 poissons, quoi. Ah, faut que je tape comme ça, de ouf. Ok. Ah, c'est des poissons, en plus, il faut que j'ai... Oh, je suis foutu. Ah, là, c'est 9 poissons. Ok, du coup, ça descend. Let's go. Donc là, j'ai plus de récompenses. Let's go, je pourrais calmer ça. Il faut que je termine tout ça pour pouvoir monter mon niveau d'aventurier, en fait. Éclosion de 70 de vos meilleurs œufs. Laissez 3 pots de pièces de monnaie dans la meilleure zone. Terminer le mini-jeu Atlantis. On va devoir tenter d'aller terminer le mini-jeu Atlantis. Ah mince, mes pets, ils sont là avec moi. Ils sont pas en train de taffer. Allez, allez, hein, on auto-farm. Voilà, voilà, ils sont en train d'auto-farmer. Tout va bien, tout va bien. Au moins, il faut que je trouve le truc Atlantis, là. En fait, je suis sûr que c'est le truc dans l'eau, en fait. 100% c'est le truc dans l'eau, c'est juste que ça a pas le même nom parce qu'en fait, c'est en anglais comme un con. 100% c'est ça, en fait, que je dois faire. Je suis Google. Ah oui, c'est ça, putain. Je l'avais parfait. Ah, oh, j'ai réussi. Oh, let's go. Casser 3 pots de pièces de monnaie dans la meilleure zone. Alors, c'est quoi des pots de pièces de monnaie? Ah, c'est ça. Pots de pièces, ok. Bête, tu sais quoi? On va les casser, les 3 pots de pièces dans la meilleure zone, frérot. J'ai focus mes défis pour avoir plus de pets. Ok, donc là, normalement. Hop, hop là. Donc là, j'ai fait poser un pot de jarre. Ok. Ah, il est là. Il faut faire le pot de jarre. Oh, c'est hyper dur, les pots de jarre. Je m'en souviens. J'aimerais mes pets. Ils me disent là que je dois éclore 70 de mes meilleurs œufs. On va bien suivre l'émission, les gars, parce que si je passe niveau 5, je pourrais avoir beaucoup plus de pets en même temps. Donc là, on a débloqué un nouvel œuf. Dans cette nouvelle œuf, j'ai 0,36% de chance d'avoir celui-là. On va en acheter 11, ça c'est trop bien. Je peux en acheter plein à la fois. Non, non, mince! Je les ai achetés, mais j'ai pas mis ma chance avec moi. La chose qu'il faut pas oublier sur Pet Simulator, c'est d'aller en fait dans tes bouquins et les changer. Et mettre en fait les lucky. C'est très important. Voilà. Mais en plus de ça, pour avoir encore plus de chance, on va utiliser le shop, les gars. Et là, je vais acheter ça, l'ultra lucky, much better luck avec les œufs. Ça coûte 800 quand même, wesh. C'est bien air. Je sais pas combien de pourcentage ça m'augmente, mais j'espère que ça m'augmente. Je prends ça aussi. Allez, on en achète 26 d'un seul coup là. Alors j'ai la chasse de malade là, j'ai acheté Yuji tout, s'il te plaît, j'ai des rares. Oh, j'ai eu du coup 6 Yeti. Ah oui, d'accord, donc j'ai eu quand même 21% de chance, j'en ai eu énormément. Alors là ils me disent, j'en ouvre encore 33, donc on va en faire maximum. Let's go. Encore pas mal de Yeti, ça fait plaisir. Il faut encore que j'en fasse 7. C'est quoi, je vais encore faire 26 des meilleurs. Bam! J'ai beaucoup de Yeti, ça fait plaisir. Donc là, normalement, dans la récompense, regardez, hop, on augmente, ça fait plaisir. Trouver 10 coffres dans le site de fouille. Ok, collecter 6 enchantements, casser 3 pots de pièces de monnaie dans la meilleure zone. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire dans la meilleure zone. Ok, on en a 14 pour l'instant des étoiles, ça fait plaisir. Il me reste 9 et je passe niveau 5, frérot, quand même. J'ai de nouveaux items, ça fait plaisir. Ces items-là, je vais les activer, ok? Hop, on va demander des fruits. Oh, on a des tickets aussi pour faire des tournées des roues. On va voir un petit peu mon équipe. Ah, mon équipe, elle a grave changé là. Ah oui. On a 2 cadeaux de récompense, du coup, d'attente aussi. Parce qu'on a beaucoup joué. Et je crois que c'est là-dedans alors. Tourner la route, tout à l'heure, on n'avait pas réussi à la faire et je crois que c'est là. Voilà, free ticket. Donc là, j'ai 26 tickets, frérot. C'est énorme, les gars. Qu'est-ce qu'on va avoir? Mec, on va avoir des livres et tout de ouf. En plus, il m'en faut. J'ai eu speed 3. Let's go. Mec, on va faire ça à mort en fait. Oh, let's go! Ça, c'est une potion légendaire. C'est quoi le truc le plus rare? C'est ça. Ouah, potion d'œuf chanceux 4. C'est énorme en fait. Encore un nouveau lit. Critical 4. Wesh. Oh, ça, c'est trop bien en fait, les billets. Ça va améliorer tout mon setup. Oh, j'ai failli avoir le livre. Ah, ça change! En fonction. Là, par exemple, là, j'ai 0,1% de chance d'avoir une potion de dégâts de 120%. Mais wesh. Attends, j'ai 2% de chance d'avoir ça. C'est quoi ça? Oh, wesh, frérot, s'te plie une dinguerie. Oh, dommage. Allez, on continue. Ça va, moi j'ai des livres de ouf, ça me va. Allez, quand t'as beaucoup de mêmes livres, j'ai pouvoir hop les foutre ensemble. Oh, c'est nickel ça, 10 oranges, c'est très bien 10 oranges. C'est bien les fruits. Oh, let's go, 20 ananas. Mais mec, j'ai joué toute la nuit. Ah non, je les ai déjà eu ça. Ah non, je suis un peu deg là. Allez, donne-moi un truc bien, frérot. Oh. Oh, je sais quoi ça, frérot. Dommage de potions, ok, il me faut des potions là. Oh yes, potion, let's go, potion d'œuf de chanceux. Ça fait plaisir. Je pouvais avoir un énorme chat. Je pouvais avoir un huge. C'est quoi ça, un fruit? Oh, c'est trop bien ça. Tous les fruits en un seul coup. J'en ai 2. Ok, potion de chance. Oh, j'ai pas eu de pomme. J'aurais kiffé avoir la pomme. Il me reste 10 encore à tourner, les gars. Non. Non. Ouah, des mini-coffres. x3. Une dinguerie, s'il te plaît, une dinguerie. S'il te plaît, une dinguerie. Oh putain, c'est pas mal. C'est pas mal, les fruits. Allez, dernière. Oh. Non.
Oh, j'ai cru le dernier, j'ai cru. Bon, on a eu énormément d'items, les gars. On va se téléporter là-bas, on va voir où est-ce qu'elle en est, la jarre. Et ma peau de pièces de monnaie est qu'à 93 sur 500, frérot. Ce qui est pas forcément ouf, les gars, on va pas se mentir, ça prend du temps. Alors, moi, ce qu'il faut que je voie, c'est un petit peu dans mes enchantes, les gars. J'ai eu plein de nouveaux livres, ok. 1% chance que votre email inflige un coup critique, ok. Donc là, la chance, on va l'enlever totalement. Et on va mettre, du coup, je veux plus de pièces, je veux plus de critiques. Et là, mec, on est vraiment pas mal. Hein. On va augmenter hyper vite. Et regardez comment on est hyper vite là. On vient d'avoir une barre de platine. C'est le prochain step up quand t'as beaucoup trop de pièces de platine. Première fois qu'on a notre première barre de platine. Allez là, Majar, 270 sur 500, ça fait plaisir. Allez, attaquer. Collecter 6 enchantements aussi. Comment on trouve des enchantements? Parce que les enchantements, c'est ça. Il faut que j'en collecte 6. Comment je les collecte, les gars, les enchantements? Bon, la thune, ça va trop vite là. Avec les bonus que j'ai mis, mec, c'est les livres. Ça m'a totalement fait exploser mon compteur. C'est un truc de ouf. Allez, 499! 500! Voilà, donc là, il me reste casser 2 pots de pièces de monnaie dans la meilleure zone. Mais du coup, on va faire ça sur l'arène 42. Donc, on augmente 2 paliers, les amis. Let's fucking go! Oh, c'est quoi ça? Oh, je peux acheter des enchants random! Ok, est-ce que si j'en achète un, ça va baisser un petit peu les 6 enchantements? Ah oui, ça baisse. Ok, par contre, ça coûte très cher. Hein. Ça coûte hyper cher. Bon, moi, là, il me reste plus 3 enchantements à collecter, mais je peux plus me le permettre. Ok. Bon, venez les pets. On va taffer ici, dans ce nouvel endroit. Je laisse taffer ici. On va mettre, en plus de ça, hop, une nouvelle jarre. Voilà, elle a spawn où, la jarre? Ah, elle a spawn ici, là. Hop, donc on va se mettre sur la jarre, nous, pour la faire augmenter comme ça. On a débloqué aussi un nouvel œuf qu'on va aller acheter très bientôt. Allez, on casse. Ah, ma jarre, elle augmente pas trop, là. On va ramasser les sous sur celui-là. Ah, un coffre d'ouf! Attendez, les gars, il y a un coffre d'ouf, là. Je vais leur dire de venir m'aider. Qu'est-ce qu'il va me donner? J'ai gagné 1 milliard d'items, les gars. Ok, on va sur la jarre, les amis. On va sur la jarre. Venez ici. Oh, ça m'a débloqué tellement d'items. Mais des fois, il faut faire vraiment attention à qu'est-ce qui se passe en fait autour. C'est très important. Mm-hmm. Bon, on va se téléporter, les amis. On spawn et on va acheter le prochain œuf. Ouh, t'es beau, toi. Waouh, alors là, regardez, il y a que des points d'interrogation parce que du coup, il faut que je débloque. Et là, qu'est-ce que j'ai? What the fuck, ils sont trop mignons. J'ai un guépard et j'ai un truc là. Je sais pas ce que c'est un truc à 3 têtes. Enchante. Alors là, on va enlever tous les livres parce que j'ai plein de nouveaux livres de luck. Là, on est good. J'ai augmenté ma chance de ouf. Ok, plus, je vais prendre une potion d'œuf chanceux. Juste une qui dure 10 minutes. Et là, on ouvre. Acheter 26, c'est parti. Waouh, ils sont jolis, ces œufs. Waouh! Oh. Ok, j'ai eu tous. J'ai pas eu lui là. En gros, je sais pas si vous voyez là, si je dézoome, j'ai tout ça en fait de luck qui m'aide. On en rachète 26. Ok, puis j'aimerais trop quand même avoir le vénère, ça fait plaisir. Ça coûte combien? Ça coûte 90 000? Ouais. Ah, j'aimerais trop avoir le 0,40% de chance là, ça serait incroyable, les gars. Oh, let's go! Asmortus! 0,50% de chance de l'avoir. Ok, j'arrête là. Il a 12 500 de puissance, les gars. Il est trop vénère. Alors, trouvez 10 coffres dans le site de fouille. Il faut que je trouve, les amis, où est-ce que c'est le site de fouille? Ah, c'est là. Ok, il faut que je trouve 10 coffres. Ok. On va trouver 10 coffres. Est-ce que je peux acheter une meilleure pelle ou pas? Non, elle coûte hyper cher les pelles. Ok, on va devoir trouver 10 coffres. Ok, je vais les trouver, les 10 coffres, t'inquiète pas. On va faire les jolis. Voilà, un coffre. Voilà, c'est ça qu'on veut. Faut jouer intelligemment. Faut faire toute la surface. Tu connais ou pas Minecraft? Faut pas creuser de partout en fait. Faut creuser une ligne sur deux. Un coffre. Let's go. Vous avez vu? Comment on joue? Faut peut-être que je fasse un escalier. Moi, je suis foutu sinon. Let's go, on achète une meilleure pelle. Hop là, nickel. Oh, ça va plus vite ou pas? Ah ouais, elle va plus vite. Oh, let's go. Ah, c'était long tout à l'heure en plus, hein. Un coffre, let's go. Oh, c'est quoi ça? Si on voit encore 7 coffres, c'est vénère par contre là. Oh, un coffre! Let's go! J'ai une jarre en plus. Oh, let's go, un coffre. Oh, 2 coffres! Oh, let's go, frérot, let's go. Oh, let's go, 3 coffres! Wesh! Il faut que je fasse une ligne de 2 sur 2, comme ce que j'ai fait là en fait. Et voilà, comme ça j'ai un maximum de chances d'avoir des coffres. Ok, plus que 2 coffres à trouver, les gars. Plus que 2 coffres. Let's go! Plus qu'un coffre. Let's go! C'est bon. Allez, ciao, mec. Ciao, mec. Bam. Alors, est-ce que vous avez bien taffé, les gars? Vous avez explosé la jarre ou pas? Ah non, la jarre elle a disparu, je crois. Mince, la jarre elle a disparu, les guys. Alors, on achète la prochaine, les gars. Arène, on a le time. Arène 43. Waouh, wow, oui, celle-là elle coûte 4 lingots, frérot, ça va être compliqué. J'ai un nouveau cadeau encore. Puis là, les gars, ça fait déjà pas mal de temps qu'on joue. Hein. Là, ils vont retryhard. Donc, on leur donne à bouffer.
Bam, nickel. On va mettre une jarre ici, très important. On va se mettre directement dans la jarre là. Il faut qu'il me donne des sous. Après, j'aurai le haut de la clé là. C'est très important ça, vous voyez. Cristal clé. J'ai au haut de clé. Alors, je sais pas à quoi ça sert parce que si je vais par exemple dans mes objets, j'ai un bas de clé x2. J'ai envie de voir qu'est-ce que ça fait après quand j'ai un double clé. Ça peut être très très sympa à voir. La jarre qui augmente toujours, ça fait plaisir ça. Moi, je suis déjà à 4 tonnes. Allez, vous savez quoi? On va se téléporter au spawn. Allez, commando, nouvel œuf. 56. On le débloque. Qu'est-ce qu'on a dedans? Waouh! Oh, alors, on a le même, je crois, mais avec. Il est rouge. Il a deux têtes. On met les Lucky. Bam. Et on ouvre. 26. 4 phoenix d'un seul coup, mec. Hop là, il faut que j'en achète 70. On monte à 50. Et hop, dernier achat. Waouh! Go. Oh, j'ai eu un shiny. C'est lui alors. Vu qu'il en shiny, il met beaucoup plus de dégâts. Il en existe que 175 000. Alors les gars, ça peut être paraître beaucoup, 175 000, mais moi j'ai l'habitude d'en avoir. Toi par exemple, le phénix légendaire, il y en a 53 millions qui existent. Alors, j'ai un défi comme quoi il faut que je utilise un drapeau dans ma zone. Alors c'est la première fois les amis, j'utilise un drapeau parce que j'ai vraiment pas l'habitude. Les drapeaux, c'est directement ici. Je vais mettre un drapeau pour avoir plus de pièces. Là c'est parti, j'ai mis un drapeau. Pendant 5 minutes, j'ai beaucoup plus de pièces qui vont être ramassées. En plus, moi j'ai besoin d'augmenter ma jarre. Ça tombe bien les gars. Deuxième jarre de pété, ça fait plaisir. Hein. Regarde, la prochaine arène, c'est 4 lingots. Je suis à 15 lingots. Vous savez, en attendant, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? On va ouvrir un œuf. Allez, c'est parti. Deux chances d'avoir un huge. Et je crois qu'on a 0,05 d'avoir un titan, en fait. Allez, j'en ouvre un. Il est où? Il est là, il est là. Allez, 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 allez. Allez, allez. Ah, donc là, il a pas grossi, donc c'est-à-dire que c'est pas un huge, tu vois. Tout à l'heure, l'œuf, on l'a vu, il a grossi, on est en mode, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai eu un axolot en gelée. Donc, tous mes axolotes, frérot, ils sont là, tu vois. C'est tellement hyper puissant, frérot, qu'ils sont tout en haut, quoi. Il nous restera alors plus qu'un œuf de gelée super exclusif à faire plus tard. Le drapeau, il est fini dans 9 secondes. Oh, comment, mais mec, on va passer l'arène 44. On va acheter l'arène d'après, là. Ça va trop vite, les gars. Vous avez bien travaillé, les amis. Allez, c'est parti, on change d'arène. J'achète celle-ci. Waouh! Waouh, c'est quoi ça? Comet Shower. Démarrer une douche de comète, vous ne pouvez le faire qu'une fois par jour, oui. J'ai démarré une douche de comète, les amis. Et là, ici, par exemple, il y a une comète qui vient de pop au sol. C'est quoi cette dinguerie? Donc, c'est une douche de comète que je peux faire en plus qu'une seule fois par jour. Donc, je pense que vraiment, c'est sympa. Regardez tout ce qu'elle donne, vous allez voir. Je suis à 20 barres de platine, ok? Voilà, on a gagné 2. Et la prochaine, regardez, elle coûte que 8 barres. Bon, on l'achète tout de suite. Oh, là, on trace. Qu'est-ce qu'on a débloqué là? Oh, chest rush. Chance pour un énorme cheval de feu en plus dedans. Donc, on peut avoir un huge en plus à l'intérieur. Ok, intéressant, on va voir ça. Bon, je vous laisse travailler ici, les amis. Ok. La prochaine arène, 20. En vrai, on est à 17, les gars. Vous savez, j'ai envie d'y aller. Hein. Et on achète la prochaine arène 46. On va faire 3 arènes d'un seul coup. Bon, mes pets, ils ont du mal, par contre. Tu vois, ça sent, ils ont pas le niveau, par contre. Allez, vous pouvez le faire. Bon, on achète. Arène 46. Tain, on a fait 3 arènes, on les a passées trop rapidement. Wow, il y a un coffre là-bas. C'est quoi ça? Ah, il a tellement de vie. Ok, ok, ne vous focussez pas sur le coffre, les gars. Revenez ici. J'ai laissé focus ici. Ok, mais là, ils ont pas du tout le niveau par contre. Nous, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se cache là-dedans. Quoi, donc c'est un nouveau jeu. Ah, je suis avec mes pets. Mais non, c'est trop bien. Ok, alors je dois casser le chest. Ok, d'accord. Et j'ai en fait du temps. J'ai 5 minutes pour casser le plus de coffres possible. Ouais, mais attends, ils ont énormément d'HP, les coffres. J'ai mis toute ma puissance là. Ok, on a bloqué un item, ça fait plaisir. Alors on essaie d'attaquer celui-là. Oh putain, ils ont ça trop d'HP les gars. Faut que j'aille acheter des pets, on va revenir là. On va tenter de faire un nouveau record après. Donne des potions, ça serait nickel. J'ai un défi, je dois récupérer des potions, s'il te plaît. Ouais. Ouais, quête complétée, let's go, j'ai 1 milliard de potions, let's go. Allez, faudrait qu'on termine celui-là. Il est à 18 Q là, c'est énorme. Allez, faites les dégâts, let's go. Allez frérot, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, je suis en train de cliquer comme un fadal. Il me reste 50 secondes pour terminer ça. Ah je l'ai pas, je crois. Si je l'ai, je crois. Si je repasse devant. Et moi je repasse devant. T'as un mec, ça joue à rien du tout. Oh, ça se passe à rien du tout! Ça s'est joué à 1 seconde! Oh la dingue! Mec, c'est dingue! En plus, oh là là, j'ai un cadeau de ouf là en plus. Oh là là, j'ai des items, j'ai un Magic Coin, il est énorme, frérot. Ok, les amis, je vous laisse poser ici, ok? Je vais me téléporter, je vais acheter des meilleurs œufs. J'ai acheté des meilleurs œufs parce que. Alors là, je viens de débloquer 3 nouveaux paliers d'œufs directement. On va directement au dernier, bien entendu. Oh, c'est un requin! 0,22% de chance de l'avoir, ok. Enchante, hop. Lucky, et on achète. 26. Waouh. Ok, donc là on est thème volcan, donc les œufs c'est des os et tout avec de la pierre. Ok, j'ai eu 4 fire horse, ok. J'ai pas eu de spécial ou quoi sinon. Ok, 5 fire horse. Ah, le 0,27% de chance les amis, c'est un truc de ouf. Oh, j'ai beaucoup de fire horse là. Ok, allez un petit dernier peut-être. Waouh.
je l'ai eu. Il fait 19 000 de dégâts. Mec, mais ceux d'avant, il faisait 13 000. Hein. Le chenille que j'ai eu tout à l'heure, 13 000. Et là, on passe à 19 000 de dégâts. C'est énorme. On va terminer la course de traîneau en même temps. Mais avant ça de terminer la course de traîneau, on va se téléporter, bien entendu. Voilà, on va mettre un drapeau aussi parce que j'ai une récompense où je dois utiliser un drapeau. Voilà, ça, je vais mettre un drapeau de diamant pour avoir beaucoup plus de diamants. Ça fait plaisir. Je vous laisse travailler ici, les gars. Alors, le traîneau, c'est où le traîneau? Ah, c'est où le créneau? Ah, c'est peut-être là-bas, là-bas, la neige. Si, c'est là-haut, c'est là-haut. Let's go, c'est là. Let's go. Je fasse une course de traîneau. Il faut que je la termine. Alors ça c'est vénère. Hein. Tourne. Bien joué, bien joué. Bien joué. De toute façon je me suis rien pris. Je suis heureux. Mais j'ai fait un fiche de ouf. J'ai tout détruit. Let's go. Oh, j'ai bientôt la clé au supérieur. Oh, ça fait plaisir. Allez, on continue à retaffer ici, les guys. On a 22. C'est très, très bien. 22, 23. Il m'en faut 45 pour la reine 47. Là, c'est pas mal. Hein. On va pas mettre une jarre ici. On va mettre la jarre au prochain level. Vous savez quoi? On va tenter de casser le coffre. Je pense qu'ils sont assez forts là. Ouais, ça va. Ils sont assez forts. Allez, on va pisser. Allez, on se grouille. Oh non, faut pas oublier les amis, on a aussi l'enveloppe de l'abonné à ouvrir. Oh, j'ai un comète aussi qui vient de pop. On va casser la comète après. Allez, on a 41 barres. J'ai envie de savoir comment ça va me donner, les gars. On est monté à 95. Mais j'ai même pas envie de prendre la comète. La comète, c'est un petit joueur, frère. What the fuck? Tu seras pour acheter? Ah non, mais mec, c'est vénère. Et mec, en plus, il réapparaît dans 9 minutes. Allez, on achète la reine 17. Pardon, 45. Je sais plus, au-dessus, 47. Waouh! Alors là, on a des potions rares en plus, on va pouvoir acheter des potions rares. Alors on est focus ici, les gars. Et ici, j'ai envie qu'on mette la jarre. On remet une jarre ici, voilà, elle est juste là. On va se mettre au bord de la jarre, comme on a l'habitude de faire. Allez, il faut la remplir, la jarre, s'il vous plaît. La lobby de glace a terminé. On va aller voir où c'est. Ah, ce lobby, c'est là. C'est une étoile en plus, on va le faire. Ok, bon, c'est juste un défi, je crois. J'ai un temps, il faut que je termine viteuf. On va aller dans l'endroit facile. Danger. Ah bah ouais, ça, on l'a bien vu. Cours! Cours! Danger, ok. On va tout droit. On regarde pas derrière. Faut descendre là. Ok, faut monter. Je l'étais jamais terminé en plus celui-là. Ah, ça glisse, ah ouais, c'est pour ça. Ah, je vais tomber. Oh, comment c'est serré. Yes! Ok, nouvelle récompense. Oh, j'ai la clé. Je sais pas à quoi elle sert, mais j'ai la clé, les gars. Faudrait que j'arrive à trouver l'endroit maintenant où elle sert, cette clé, tu vois, derrière. Ce serait cool. On va laisser mes petits gars farmer. On va ouvrir le prochain œuf qui est... Oh, l'œuf 60. Ok, j'ai un dragon pour 0,15. C'est très faible. Wouah. Bon, voilà, on va juste... j'ai pas trop envie d'acheter, là. Cela, c'est juste pour améliorer un petit peu mes pets qui mettent plus de dégâts, mais sans plus, quoi. Je suis déjà fou, je suis déjà très bien. On va en faire une dernière ouverture. Sans plus. Besoin de faire plus parce que tu vois mes pets déjà. Bon, celui hyper rare il est plus que là quoi. Alors j'ai envie de savoir un petit peu en même temps à quoi elle sert la clé que j'ai débloquée. Est-ce que c'est là? Oh, c'est là. Crystal chest requiert une clé. Oh, je peux avoir un huge et ensuite après. Ok, donc c'est pour en fait avoir des chances d'avoir tout ça. Bon, bah, voir. Hein. J'ai une clé, je peux l'utiliser. Allez, s'il te plaît. J'ai quoi? J'ai eu charme? What the fuck, attends. L'animal gagne 25% de pièces appliquées à des huge ou des titaniques. Oh, d'accord. Je vais mettre ça, par exemple, sur, du coup, mon huge. Faut confirmer. Est-ce que votre charme à cet animal de compagnie? Oui. Tu sais? Let's go. Comme ça, lui, en plus, là, il a aussi 25% de loot de pièces supplémentaires. Bon, ok, bon, en vrai de vrai, le coffre, c'était pas forcément ouf. Coffre de cristal, je suis un peu deg, les gars, je peux vous mentir. Je suis un peu deg, ouais. Je suis très deg, je suis trop deg. Bon, ça, vous avez bien taffé. Waouh, tous les items, merci beaucoup. Bon, il faut terminer la jarre, elle est à 200 sur 500. Allez, on termine la jarre, les gars. Là, je gagne énormément en plus. Parce que, en fait, il fallait que je casse 250 objets, je gagne 2 étoiles. Plus là, je casse le bocal de pièces, j'ai gagné 5 étoiles en tout. Plus recueillir un enchantement, je suis à 5 sur 6. Est-ce que je vais avoir directement plus de pets? Ça ferait trop plaisir, là, parce que je sens que je galère. Il y en a un qui va se terminer. 250, let's go. Nouvelle réclamée. Hop, j'ai gagné 2 comètes directement. Là, je suis à 3 sur 4 pour débloquer un prochain livre. Utilisez 8 fruits. Pff, ça va aller trop vite, ça. Utilisez 8 fruits. Allez, 480. Les jars, on fait ça depuis le début de la vidéo. Ça fait 1h30, je suis là-dessus, quoi. Let's go. Jars cassés. On a 437. What the fuck. Récompense. On réclame le livre. Le ticket. Oh, j'en gagne combien des tickets? J'en gagne un, je crois. On augmente de niveau. On gagne un cadeau. Ça fait plaisir. Plus plein de trucs, des poussins et tout. On passe rang 5. Ce qui fait qu'on va avoir beaucoup plus de pets disponibles, les gars. On va acheter la reine 48. Bam. Yeah.
Oh, je vais directement acheter la reine 49, t'es quoi? Elle coûte 200, j'achète la reine 49. Let's go! Oh, la reine 50, elle coûte 500. Je vais prendre ça, plus de chance, directement. Hop là. Et je vais mettre mes pets tout simplement ici. Voilà, allez, taffez là-dessus, les gars. En attendant, je vais me téléporter directement ici, au niveau 4, pour débloquer plus de pets. Parce que ici, les gars, j'étais bloqué à une team de 39 pets sur 39 pets qui peuvent travailler en même temps. Mais là, vu que je suis passé rang 5, regardez, je peux débloquer tout ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pets supplémentaires, les gars. Ensuite, prochain, c'est rang 6. Et je peux faire ça, les amis, jusqu'au rang 19. D'accord. Donc là, si j'ouvre mes pets, je suis à 47 sur 47. J'ai beaucoup plus d'écoute de dégâts qui vont pouvoir se faire à la seconde. On a débloqué deux nouvelles arènes. Du coup, on va en profiter aussi pour voir nos deux prochains œufs, donc 61 et 62. Ok, voyons voir. Oh, lui, je l'avais ouvert avec Radok en figurine, celui-là. Et là, on a un point d'interrogation. Du coup, on connaît même pas sa rareté à lui, frère. C'est parti, on ouvre. Ok, 3 pandas cyborgs. Est-ce que c'est rare? Ah, c'est 26%. On a même pas eu le dragon, en vrai de vrai. Ah, on a eu deux fois le dragon. Nickel, ça fait plaisir. Encore une fois le dragon. Ok. Là, je sais pas, vu que c'est point d'interrogation, là, ça me donne vraiment envie d'acheter. Ça coûte combien, en vrai de vrai? Ça coûte 16, quand même. Ok, le dragon. 4 dragons. Un dragon. Et on va faire une dernière fois. Un dragon. L'équipe, voyons voir. What the fuck. 27 000 les dragons, ils mettent. C'est énorme. Donc, on a commencé la vidéo. On était niveau 40. On a fait 41, 42. Là, on est 49. On va passer niveau 50. On va voir comment ils taffent un peu. Ok, c'est plutôt pas mal. On va mettre un drapeau, du coup, comme ils nous disent. On va mettre un drapeau de diamant. Allez les gars, ça taffe, ça taffe. Ah, j'ai débloqué en plus un espace pour un livre en plus. Let's go. Je vais mettre deux critiques, deux coins. Allez, on va tester comme ça. Oh, si ça va vite un peu. Ça a l'air d'aller hyper vite, frère. Je me suis à peine retourné. On est déjà. On va hyper vite, frérot. On va hyper vite. C'est le livre que je viens de mettre. Mais mec, on va hyper vite. Mec, le coffre, on le détruit, on le démonte. Mais c'est vénère en fait ce que je suis en train de faire là. C'est vénère de ouf. Arène 50, acheté. Avant qu'on passe à l'arène 50, dédicace à ces deux dernières personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Merci à vous deux, bande de beaux gosses. Si toi aussi tu veux une dédicace dans la prochaine vidéo, t'as qu'à juste à t'abonner en activant la cloche. Oh, je sais ce que c'est ça. La renaissance 2. Mais non. Alors ça, ça veut dire qu'ils veulent que je recommence du début. Je crois que je l'ai déjà fait lors du premier épisode, les gars. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de rejoindre des clans. Les animaux de compagnie sont 75% plus forts en permanence. Un tas de récompenses. Éclosion automatique. Animaux de compagnie énormes actifs. Je peux avoir des huge enfin. Les amis, ben, je crois qu'on va devoir faire la renaissance, les amis. Renaissance 2, c'est obligatoire. Hein. Parce que là, en fait, tu vois, si je ramène mes pets ici, par exemple, tu vois, bah, je peux continuer comme ça, mais c'est beaucoup plus long. Donc là, vous allez voir la renaissance, les amis. On va renaître de nos cendres et on va devoir recommencer arène 1. Ok, on avait déjà fait ça. Donc là, là, je rebloque des dingues. Voilà, déjà, hop, je gagne une étiquette, je gagne des jarres, je gagne 25 000 de diamants, je gagne plein de récompenses comme ça, x2, des TNT et tout. Regarde tous les items, c'est masterclass. Ok, donc là, toute ma thune aussi, je l'ai perdue, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Les œufs, c'est pareil, tu vois, tout est bloqué dans mes œufs. Mais là, regardez à la vitesse auquel on va acheter les arènes. C'est ça qui va être rigolo. On va même mettre les fruits, hop là. Et là, on va tout casser. Hein. Allez, hop là, on achète ça. On va devoir même aller en overboard, tellement c'est lent là ce qu'ils sont en train de me faire faire. En plus, ce qui est trop bien, c'est qu'on va pouvoir débloquer les petites récompenses que j'ai pas l'habitude de faire sur les côtés. Hop là, nickel. Là, il y a des petites potions. Acheter des potions aléatoires, vas-y, j'achète. Hop là, free. Allez, on achète. Hop, on passe là. On achète plus celle-là. Oh. Ah oui, là, il faut que j'aille ça là. Il faut que je débloque des œufs. Beaucoup plus. On est déjà à arène 10, tu vois. En l'espace de 2 secondes, comme ça, frérot, comme ça. 20 minutes later. On revient à notre arène 44. Ça m'a pris à peu près 20 minutes pour revenir ici. Du départ, hein, je rappelle. Déjà, achète petit à petit, ça va hyper vite. On l'achète ici. Oh, j'ai un prochain. Donc là, le prochain énorme coffre, il arrive dans 59 minutes, les gars. Je joue encore pendant 1 heure minimum. Ah, là, il commence un petit peu à aller plus lentement, mes bêtes. Je les vois, tu sais, comment ils cassent. Ça casse un peu moins vite, quoi. On a plus de boost aussi, c'est normal. On a plus les fruits. Voilà. Allez, on passe à arène 49. Oh, j'ai un bloc chanceux d'une chartoude. C'est quoi ça? Oh, j'ai eu un bloc Mario. Je crois que c'est grâce à mon livre bonus. Waouh! C'est plaisir, merci beaucoup. Et on repasse arène 50 au bout de 20-25 minutes de jeu. J'ai pu remonter. On va voir si on va beaucoup plus rapidement ici. Donc, on a déjà fait la renaissance qu'on avait fait tout à l'heure, ok? Bon, du coup, l'arène 51 là, c'est 1000 1K. On a encore un œuf à ouvrir. Je pense que je vais l'ouvrir, l'œuf de gelée. Allez, on passe arène 51, on continue l'aventure. On achète. Franchement, on est du côté des ninjas.
Oh, oh, enchantement. Ok, pour 5000. D'accord, j'ai eu un enchantement rare, ça fait plaisir. Et on passe ici dans un thème asiatique. Allez, s'il te plaît, plus qu'une récompense, s'il te plaît, je dois faire quoi? Éclosion de 80 de mon meilleur œuf. Ok, on va faire ça tout de suite. On va se téléporter au spawn. Regardez tous les œufs que je dois débloquer. Je suis pas vu une seule fois ici. On va directement débloquer le 64e. Ok, mais avant ça, les amis, j'ai envie de faire quoi? Ouvrir l'enveloppe de l'abonné. Alors, il y a un abonné, il m'a envoyé une enveloppe. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il m'a envoyé de ce truc. Oh là là, c'est quoi cette dinguerie? Alors, j'ai reçu du coup une petite photo de moi. Et un message écrit à la main. On va le lire. Coucou Unchain, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette lettre pour te remercier d'être toujours de bonne humeur dans tes vidéos, qui me donne le sourire et ta gentillesse envers ta communauté. J'ai mis une photo de toi et j'aimerais que tu me dédicaces. J'apprécie beaucoup ta map Only Up Infini. Mon pseudo Fortnite est fatal. Je te dis peut-être à cet été si tu vas chez tes parents. Mes voisins, Elliot. C'est mon voisin de France. Il m'a envoyé un message, les gars. Et il veut que du coup je dédicace cette image-là. Là, je vais la dédicacer, frérot. Ici, je vais te mettre un beau message et tout. Signé Unchain, frérot. Merci pour ta lettre. Ça fait fucking trop plaisir, beau gosse. Oh, oh. Le 0,7%, tous les œufs qui se débloquent en dessous, ça fait un bruit vraiment pas mal. L'œuf ninja. Alors, attendez, laissez-moi là, de mettre de la chance, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai le key egg. Ah ouais, mais le key egg, ils sont pas trop élevés, hein. Un maximum de chance. C'est parti. Ok, j'en ai eu 3, des renards. Je pense que c'est pas mal le renard, ouais, c'est 7,3% de chance. Ok, 4 renards. Ils sont très jolis ceux-là, hein. J'ai pas eu de huge, hein, pour l'instant, alors je peux en débloquer des huge, hein. Tu peux pas te permettre. Ah, ça coûte trop cher. Ah, je pète le seum. Mon animal qui fait plus de dégâts, 34 900. Ça, ça taffe bien ici. André, ça récolte plus trop, hein. Ouais, j'ai pas mis les livres, c'est normal. Je vous remets les livres, vous en faites pas. Ah, là, ça met déjà directement plus de dégâts. En plus, si je leur donne à manger, alors là, ils vont être très contents. Voilà, voilà, ça va très vite, là. Bah ouais. Mec, dans 49 minutes, j'ai le caddie, mec, qui sort, là. J'ai débloqué tout ça, j'ai attendu tellement longtemps pour avoir ça, frérot. Ça me donne une récompense de malade. Oh, je peux acheter l'arène 52, c'est parti. Wouh. Ok, arène... Oh, c'est quoi ça là-bas? Améliorer les fruits. Oh, je peux enfin combiner les fruits. Comment ça fonctionne? 20 pommes, ça me fait un fruit légendaire. Vas-y, ok, vas-y, je fais ça vite. Ok, donc ça permet qu'en fait, maintenant, j'ai beaucoup plus de fruits. Je sais pas, c'est vrai, si c'est rentable. Non, c'était pas rentable. C'était pas rentable du tout. Et quoi un peu dans la boutique, là? Ça, ce bonus, ça permet que j'ai plus de chances d'avoir des œufs en or et en rainbow. Je prends direct. Prochaine ouverture, ça va, on va step up, là. Plus ça, plus de chances de casser des cadeaux. Ça coûte 2400, c'est vénère. Après, j'ai plus de Robux, les gars, c'est fini. On fait ça pour la vidéo, les gars. Moi, mon but, c'est de faire tout un maxé pour vous donner la meilleure expérience possible en termes de vidéo. Ah oui, donc là, vous avez vu, là, par exemple, ça a débloqué un coffre. Ça, je vais avoir beaucoup plus de coffres. Là, par exemple, je viens de débloquer une comète qui vient de pop dans mon endroit. Ah oui, d'accord. Ça va beaucoup plus vite, quoi. La comète, on enchaîne. Yeah. Je suis bientôt rang 6, il me manque plus qu'un et je pourrais avoir beaucoup plus de pets en même temps, ça c'est très intéressant. C'est quoi? Allez, on va acheter en face l'arène 53, les gars. Qu'est-ce que tu vas me montrer? Ah, venez ici les pépettes, venez ici. Allez, faut rester focus les amis, let's go. Je vais vous mettre un prochain drapeau. On va vous mettre un drapeau de magnète. Voilà, un flag magnète. En attendant qu'ils soient en train de taffer, on va augmenter un petit peu nos pets. Comme t'as, tu vois, c'est une petite routine, on commence un petit peu à avoir l'habitude les gars. Hop là, on a 2 arènes supplémentaires. On va débloquer celle-là. Ok, donc là on a un pet 0,7% chance de l'avoir, c'est un dragon bleu. Oula, j'ai failli faire une bêtise. Le key egg et le key egg. On est ready. On ouvre. C'est quoi ces œufs? C'est même pas des œufs, c'est des petits arbres. Oh! Rainbow Koi! Mais ça, je suis sûr, c'est grâce au bonus en fait Magic Egg que j'ai débloqué. What the fuck? J'ai eu 2 rainbows. Attends, quoi? Mais c'est énorme! Mec, ils font 59 000! Plus j'ai eu 2 dorés. J'ai eu tout ça de doré. Mais attends, mais c'est un truc de ouf! Mais mec, pourquoi j'ai pas fait ça avant? J'ai encore eu un autre rainbow, frère! J'ai eu plein d'or! Mais je suis un débile! What the fuck? Regardez tous les mythiques rainbow! Ça met tellement plus de dégâts, les gars, c'est impressionnant! Oh là 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 là. Allez, dernier. On se met trop bien. Mec, ils sont tous dorés, ils sont tous rainbow maintenant, mes meilleurs pets, mec. En fait, ça, c'est un bonus de malade, là, que j'en ai bloqué. Vraiment un bonus de malade. On a encore l'œuf, les amis. Ok, le prochain œuf pour avoir peut-être encore un huge. Ça fait plaisir. Mais là, en plus, on en est passé à 15 000. Vu qu'on a mis un drapeau, en fait, un flag de magnétique, on peut directement, en fait, là, ça augmente sans que je sois, en fait, sur la base. Ça fait trop plaisir. Je peux acheter des œufs et ça tape derrière moi. Ça, c'est trop cool, ça. Allez, on passe à la prochaine arène. Et là, c'est parti. On réclame la récompense. On passe. Rang 6. On est pro là. Plein de récompenses gratos. Et surtout là, ce qu'on va faire, la première chose, on va avoir plus de pets. Ça, on va aller trop vite là. On va aller trop vite, c'est moi qui te le dis. Alors, on avait combien de pets? On avait 47 pets sur 47. Hop, on peut acheter. Ça coûte plus cher. On va acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça coûte tellement cher en diamant, les gars. Et maintenant, je peux en avoir 56 sur 55 des pets. Regardez tout ce que j'ai. Là, on a un dégât critique de malade en fait. Hop, et on peut directement acheter la prochaine arène à 30 000 lingots. Waouh. Allez, on taffe là, les gars. Deux nouveaux œufs.
Hop, on débloque celui-là. Oh, donc là on a un nouveau thème, c'est un petit peu un jardin féerique. C'est vraiment sympa. Oh mince, j'ai oublié de mettre mes bonus. J'ai eu un rainbow, alors j'ai oublié de mettre mes bonus. Donc on verra un petit peu la différence. Voilà, voilà. Bon, les petits rainbows et tout, ça fait plaisir. Le petit lapin peut-être. Oh. J'ai eu trop de trucs là, regardez. Le meilleur, c'est un mythique arc-en-ciel écureuil pixie, mec. Mec, je suis choqué, je sais pas si ça se voit. Bon, je suis ultra addict, d'accord. Mais les gars, je suis choqué, ce qui se passe. Je récupère tellement de récompenses déjà, je débloque trop de trucs. Arène 56, tu es à moi. Let's go. Oh les gars, ici, ils me disent que je peux créer un clan pour 300 Robux. Est-ce que je le fais, les gars? Est-ce que c'est intéressant de créer des clans ou pas sur Roblox? Dites-moi la vérité. Allez, on taffe là, les gars, on taffe là, on taffe là. Arène 57 coûte 150 000. Allez, let's go, let's go. Oh, un mini coffre. Faut que je le casse. Je vais passer à 2 sur 3. Let's go 2 sur 3, un prochain coffre et je suis nickel. On achète arène 57, punaise, on va vite là. Là on va te faire cette arène là très très rapidement. Oh c'est quoi ça, le premier clan c'est lui, donc EXP. Ok, ensuite la bannière du meilleur clan il est marqué là, d'accord. Alors j'ai vu les amis qui commencent vraiment à avoir une communauté française de ouf hein, sur Pet Simulator. On a une nouvelle récompense, nickel, on réclame ça. Hop là on peut déjà acheter l'arène 58, non ça va trop vite frère. On a l'impression que je viens de faire une renaissance mec, comment ça? Oh. Ok, arène 59. Je suis sûr que arène 60, il va se passer un truc vraiment vénère. En attendant, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment trop plaisir. C'est gratuit. Et tu pourras toujours changer d'avis au cas où. Comme ça, moi, ça m'aide à vous faire des meilleures vidéos. Et surtout, on rush les 4 millions, les gars. Ça serait une masterclass. Ok, on va se téléporter. On va ouvrir les prochains zoos. Alors, chance. Oh, il y a l'œuf là-bas. On vient de passer une ligne, les gars. On a fait toute cette ligne-là. Et on en est à au-dessus, là. Ou 0,4 pour avoir le toutou. Là, pour l'interrogation. Ok, alors là, mec, on peut avoir des dingueries, d'accord. Déjà, on pourrait et tout ça. Allez, c'est parti. Les amis, là, on a énormément de chance de notre côté. Regardez en plus les œufs comme ils sont magnifiques. Ok, on a eu le rainbow princesse dragon. C'est quoi le meilleur? Ok, on a eu le âne et la princesse dragon. On a eu ces deux-là, en fait. Ok, on retente. Ah. Allez, frérot, s'il te plaît. Ah. Oh oui, on l'a. Il est juste là. On a eu 0,4% de chance, là. Ah, mais c'est même pas le meilleur, en fait. Il est juste là. Parce qu'en fait, je l'ai eu en normal. Là, la princesse dragon, je l'ai eu en arc-en-ciel exotique. Donc, en fait, la princesse dragon est meilleure. Ok. Mais comment ça augmente tes pourcentages de sang, c'est un truc de malade en fait. J'en ai tellement ouvert et j'ai toujours pas eu le point d'interrogation. Hein. What the heck. Mais j'ai envie de l'avoir frère, je te jure. J'en ai ouvert peut-être 2000. Oh regardez les amis, je viens d'avoir une pièce d'émeraude. Première fois, c'est en vert maintenant. Je suis à 2 pièces d'émeraude qui vaut 1 million de lingots. C'est énorme. Allez on achète là. Hop. Venez avec moi les gars. C'est joli ici. Ah bah là regardez, 1 et 500 000, j'achète instant. Nice. Casser du mini-coffre dans la meilleure zone, casser une comète dans la meilleure zone. Ok, on va faire casser une comète. En fait, je trouve que les missions, c'est tellement important en fait. Je m'en rendais pas compte comme ça les gars, c'est trop important de faire les trucs à droite en fait. Bam, on va une casser une comète. Utiliser 4 drapeaux, instant j'en utilise un. Il nous reste 20 minutes avant l'énorme cadeau les gars. Ça fait 2h42 qu'on est en train de jouer. Je peux acheter. Allez, j'achète. Bam. On s'en fout du drapeau, les gars. On enchaîne. Ici, hop, j'utilise directement un nouveau drapeau. Hop, là, on se téléporte. On achète les prochains pets. On ne faut pas perdre de temps. Maintenant qu'ils sont en train de taffer, on va faire 3 arènes supplémentaires, là. 74. On débloque. Waouh. Ok, donc là, on passe à des arcs-en-ciel, mais des arcs-en-ciel de base. Allez, c'est parti. Ok, pas mal. Ok, moi, il me faut ceux-là. Il me faut ceux-là. C'est full. Carré, là. Ah, ils sont en haut, là. Ouais, ouais, des feux follets. Là, j'en ai eu x6. Lui, là, celui qui sourit, je l'ai pas eu par contre. J'ai pas eu celui qui sourit là, il faut que j'ai celui qui sourit. Là, il faut que j'ai celui qui sourit, s'il vous plaît. Oh shit, non. Ah, j'ai eu là-haut. Le rocher coloré, let's go. Ah, c'est même pas celui, ben non, parce qu'en fait, le rocher coloré, il est même pas là en fait. D'accord, il est là, il a 116 000 de puissance. Et eux là, waouh, on est à 146 000 de puissance. On a commencé cet épisode, on était à 11 000 de puissance, les gars, c'est énorme. Voilà, 10, let's go. On en achète, arène 62, c'est parti. C'est trop bien, c'est que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière l'arène. T'as toujours envie de jouer, t'as pas envie de t'arrêter, tu vois. Là, demain, je dois me lever. J'ai pas envie d'aller me lever, j'ai envie de faire une blanche. Ça va trop vite. Trop vite, frère. Arène 63. Wow. J'ai le bloc ici. Marchand de neige, objet à vendre. What, c'est quoi ça? L'ultime machine à lancer de boules de neige. Ouais, ok. Je gardais mes diamants parce que diamant, en vrai, c'est ce qui est un peu le plus rare, quoi. Arène 64, j'achète. Mec. Ok, le prochain, c'est combien? C'est 95. Ok, on va se téléporter. On va racheter. On a fait 3 arènes. Okay. Oh, on a un bonhomme de neige pour 13,5%. Oh, allez, on achète. Ok, j'ai eu quoi? J'ai le bonhomme de neige. x5. Ok, on essaie d'avoir le dragon peut-être. Ok, on a eu des... Ok. Le dragon peut-être. Allez, s'il te plaît.
Oh oui. Hop là, let's go. Très bon. Là, le plus fort, c'est quoi? Oh, c'est quand même mon dôme neige qui est assez exotique. Après, c'est des chats. Mon dragon, il est là. Est-ce que j'utilise un drapeau? Non, pas dans cette zone. Le drapeau, prochaine zone. On est déjà à 82 là. Ah, il y a le pot de monnaie. Il est où le pot de monnaie? Il est là, le pot de monnaie. Il faut que je le fasse. Je l'ai pas vu. On est à 292. Allez, le pot de monnaie, le remplissez-vous. C'est trop chiant, les pots de monnaie de pièces. C'est le truc le plus chiant. Surtout quand je suis au level, en vrai de vrai. Allez, bientôt fini. Let's go. On est à 2300. Arène 65 débloquée. Avec moi les boys, on va acheter directement l'arène 66. On va pas s'arrêter ici les gars. Hop là. Ça commence à coûter très très cher. On va mettre un drapeau ici. Hop. Supercharge. On a terminé les quêtes du drapeau. On récupère ça. En attendant, on va aller là-bas. C'est les portes. Nickel. On avait laissé le Lucky en plus. Punaise, on avait laissé le Lucky. Donc 79. Là, c'est des moutons des neiges un petit peu, c'est ça? On achète. J'en ai déjà le meilleur. Non, on n'a pas le meilleur. On achète à mort. Ah, c'est lui? Non, c'est pas lui. On est à 40, ça coûte combien? 14 quand même. Hein. Je peux pas en faire trop. On va faire en max. Oh, je l'ai eu. Let's go. Plus que 7 minutes avant le cadeau final. Et là, mon pot de monnaie. Il est là, mon pot de monnaie. On a 126 pots de monnaie. On va se mettre dedans pour que ça aille plus vite. La charge va me donner tellement. Je vais monter à 2000. Je monte à combien? Allez, on achète ça. Ça coûte seulement 500, entre guillemets. Hop là, on arrête. L'arène 68 aussi, instantanément. On arrive à arène 69 qui coûte 2500. Allez, là, on met des dégâts. On met des coups critiques, frérot. C'est une dinguerie. Mais il n'y a plus rien. Il casse trop vite. Mec, on peut déjà acheter ça? Arène 69? Wouah! On est arène 70, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, de 40 à 50, c'était très long. Un petit 50-70, ça allait piouf, comme ça. Genre vraiment. Alors, c'est quoi les pets de l'arène 69? Ah, c'est 82e. On a quoi? Ouh, on a un perroquet. On a un petit peu les pets des premiers œufs. On avait ouvert. Ouf, le perroquet qui est juste là. Il nous faut le chat. On a eu deux toutous là, de 6%. Les toutous, c'est plutôt pas mal. Ouah, ouais, je suis tellement de perroquets. Non, mais je sais en fait. Ce qui nous a aidé de ouf, c'est quand j'ai acheté le bonus pour avoir que des rainbows et des golden. Toutes mes ouvertures, j'ai tellement de rainbows et de golden, c'est une dinguerie. C'est ça en fait le truc qui s'est passé. Je peux pas faire une plus grosse ouverture. Je crois que je peux faire une plus grosse ouverture. Je sais plus où c'est l'endroit pour débloquer plus d'œufs. Là, c'est les pets équipements. Use more pets, on est déjà à max. C'est là. Open more. Ah oui, je pouvais. J'ai plus de diamants. Oh, on va en ouvrir beaucoup plus, vous allez voir. Là, voyons voir combien je peux en ouvrir. 42, regardez ça. Merci. Voilà, on se met bien. Oh, j'ai le chat, let's go. Oh, je l'ai en rainbow. Oula, il reste 45 secondes. On va vite se téléporter. On débloque l'arène 70, les gars, quand même. Coucou l'arène 70. Donnez-moi les sous-sous. Ah ouais, vous avez fait du ménage de ouf. On a assez pour l'arène 70. 5500. On débloque. Oh yeah. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est un coffre de ouf à casser. Ah, on termine là-dessus, les gars. On termine pour débloquer ce coffre avec tous mes pets. Vous mettre un maximum de dégâts, ok? Avant ça, les amis, on a le cadeau final qui est juste là. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il donne? Regardez comme ça augmente ici. Ok, ça m'a doublé totalement. Je suis passé de 5000 à 11000 le dernier cadeau. Et on va terminer par celui-là, le plus balèze de l'arène 70. Oh! 24000, 25000. On passe du coup à arène 71. Mais mec! On est à 28000, les gars. Let's go. On passe au-dessus. Arène 72. Pas de time, on perd pas de time. Allez, on passe à arène super. Punaise, ce que je viens de débloquer. What the fuck? What the fuck? J'ai trouvé un glitch, c'est pas possible. J'ai trouvé un glitch, les gars. Arène 74, j'achète. Oh mon dieu. Ok. Et on achète. Ouh, ça aussi. Oh, mais non, attends. Il y a une renaissance, la troisième renaissance. Oh mon dieu, la troisième renaissance, les amis. On arrête là. Ça, je la ferai dans la prochaine vidéo, ok? Donc là, on débloque le dernier œuf, ok? Avec le dragon et le corgi toujours. Allez, on achète tout. Oh, c'est quoi le regard en face? Oh, j'ai eu un corgi là-haut, d'accord. 0,8% de chance de l'avoir. Oh, j'ai eu un corgi aussi en bas là. On a beaucoup de chance. Oh, j'ai encore eu un corgi. Est-ce que c'est le vénère? Non, c'est même pas le vénère. Mon vénère, c'est le loup-garou. Mes corgis arc-en-ciel, ils sont même pas là. Il est là, mon corgi. Ouais, j'ai beaucoup de chance là. Je vais faire une armée de ouf là. Oh, j'ai eu un rainbow là par contre. Oui, voilà, 826 000, merci. Terminer cette vidéo en beauté. Du coup, on va directement sur le chest rush. Avant qu'on rentre à l'intérieur, les amis, on va ouvrir mon dernier œuf. C'est parti, celui qu'on avait acheté en début de vidéo. Un maximum de chance. Allez, grossis. Ah, oh, dommage, singe gelé. Bon, ça reste très très bien, les gars. Toutes les œufs là, tu vois, directement, ils se mettent en haut. Tu vois, là, j'ai eu 5, 2 singes comme ça. Ah, c'est les meilleurs en vrai, le singe. Ah, c'est très bien en fait, c'est les meilleurs. Je pense qu'on est chaud. Allez, c'est parti. Et là, je crois qu'on va faire un nouveau record, les gars. C'est parti.
On l'a pété instant. On les pète instant. On les pète instant. Wesh, what the fuck, on est trop fort. Vous savez qu'on a explosé le record de tout à l'heure. Et c'est ça le niveau max. Oh, je me rends pas compte. Tous les items que je débloque, c'est l'endroit le plus cheaté. Bien joué, mon armée. J'ai que des dragons, frérot. J'ai mon Hulk qui est là-bas, qui s'appelle Idéfix. Et voici mon armée avant la vidéo. Voici mon armée après la vidéo. Cette évolution, je l'ai faite exactement en 3h et 21 minutes de jeu. Il nous restera le prochain épisode où on devra passer du niveau 75 au niveau 99. Plus, il nous manque plus que une ligne d'œuf. La dernière ligne d'œuf qui est juste là. Attends, c'est quoi le truc en haut? Non, me dis pas que je suis aveugle comme ça. Better Hulk. Je pouvais avoir des huge là-haut. Bon, ça, j'achèterai plus tard, les gars. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait trop plaisir. Je compte sur toi pour t'abonner à ma chaîne. Lâche ton petit pouce bleu, partage à tes amis. C'est une chaîne geek comme un porc. Tu peux juste cliquer ici si tu veux voir une autre masterclass sur la chaîne. Ciao, bye. Simmer.